Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres cette semaine. J'ai reçu de très beaux courriers. Donc j'ai reçu de Samantha de la chaîne Découverte et Imagination une carte de remerciement pour avoir participé à son concours. Donc elle m'a fait une très jolie carte comme ceci avec plein de merci. Alors, je sais pas en quoi tu as fait ces différentes textures de papier. Alors, je sais pas si c'est des carreaux, si c'est un papier qui est comme ça, j'arrive pas à voir, ou si c'est elle qui a donné les effets du papier. Mais franchement, ça rend super beau. Et dedans, elle m'a mis une découpe tasse. Une bannière comme ceci et deux étiquettes. Donc voilà, merci Samantha, ça m'a fait super plaisir, je te remercie infiniment. Ensuite j'ai reçu hop, je suis en train de ranger en même temps, de Elisabeth. Donc avec Elisabeth, on avait déjà fait un échange la semaine passée pour des cartes gorgeous pour l'album Panini de ma fille. Et du coup, j'avais refait un appel de cartes parce qu'il m'en manquait et elle me les a envoyées. Donc celles qui me manquaient, elle me les a envoyées. Donc je vais vous faire voir ce qu'elle m'a envoyé en même temps. Donc une très jolie carte gorgeous comme ceci. Et donc, elle tourne, vous voyez, elle est super mignonne, c'est magnifique. Alors, je vais vous la faire voir de près. Là, c'est les timbres qu'on trouve sur les petits sacs. Et la gorgeuse qui tourne comme ça. Franchement, c'est superbe. Alors, je ne sais pas sur quoi elle l'a monté, ça ressemble à du... C'est de la mousse 3D, d'accord. C'est deux rangées de mousse 3D qu'elle a dû ancrer les bords, puisque ça fait marron, vous voyez. Et franchement, c'est super chouette. J'adore. Franchement, c'est magnifique. Je pense qu'elle va finir également dans la chambre de ma fille. Elle attendait que je tourne la vidéo pour pouvoir récupérer ses petits cadeaux gorgeous. Donc, elle m'a fait également une pochette comme ceci. Et dedans, on retrouve de magnifiques cartes. Gorgeous. Donc, je pense que je vais en encadrer quelques-unes pour les mettre dans sa chambre. Vous voyez comment c'est chouette? Je pense que je vais les encadrer pour les mettre dans sa chambre. Parce que franchement, ils sont super chouettes. Donc, merci infiniment. Hop. Donc, les petites cartes qui me manquaient, elle me les avait mis également dans ses petites pochettes comme ceci. Et en plus de tout ça... Elle lui a fait un très joli porte-clés gorgeous. Donc, il va atterrir sur sa trousse d'école. Vous l'entendez, elle rigole déjà. Donc, voilà. Donc, merci infiniment, Elisabeth. Franchement, c'est adorable. Tout est magnifique. C'est super beau. Donc, merci infiniment. Et donc, je reviens sur son album Panini. Il m'en manque plus beaucoup de cartes. Il m'en manque 5, je crois. Alors, si vous arrivez, vous les avez en double, contactez-moi. Parce que je voudrais arriver à lui finir. J'ai des doubles également. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse scraplilifleur@orange.fr. Donc, il me manque la 5, la 11, la 18... La 80,
Non, attendez, je reprends. La 5, la 91, la 111, la 118 et la 156. Voilà. Donc la 5, 180, la 91, la 111, la 118 et la 156. Donc si vous les avez en double, contactez-moi. J'ai des doubles également, donc il n'y a pas de souci. Hein, je vous renverrai quelques doubles que j'ai. J'en ai un petit paquet déjà, donc voilà. C'est vrai que si je pouvais arriver à lui finir, je serais super contente. Donc voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Allez, passez une bonne semaine. Bye bye.